Salut mes petites biches, je vous retrouve sous mon plus beau jour aujourd'hui. Mais vous m'avez dit que mon quotidien vous intéressait, donc me voici le matin. Voilà, en pyjama, avec les cheveux un peu douteux. Hein. On va essayer de les garder encore un jour pour ne pas trop agresser le cuir chevelu. Et j'en profite que j'ai le masque de Glam Glow qui pose et que je vais aller rincer de ce pas pour vous dire que je n'arrive toujours pas à me faire un avis. Je vais vous montrer juste après l'avoir rincé, parce que la dernière fois que je l'ai fait, j'avais encore les traces rouges à l'endroit où j'ai mis le masque. Donc maintenant je ne le fais plus sur tout mon visage, je pense pas que j'en ai besoin sur tout le visage. J'essaie de cibler les zones à problème, mais si j'ai toujours des rougeurs, je ne pense pas que j'ouvrirai le deuxième pot. Éventuellement j'essayerai peut-être de trouver quelqu'un à qui ce masque convient et à qui ça pourrait faire plaisir, parce que là... Je vais pas me forcer à l'utiliser juste pour dire deux. Je vais quand même attendre de finir le pot pour faire la vidéo avec mon avis final. Mais pour le moment, c'est toujours mita-mita. Qu'est-ce que tu fais, Duchesse? Bonjour. Bonjour, pauvre bête. Oui, pour le moment, notre canapé ne ressemble pas à grand-chose. Étant donné que j'ai mis tout ce qui était en ma possession pour... le recouvrir. J'avais seulement deux plaids avec moi et un petit essuie-quéchua, et c'est parce que sinon en fait les chats font leurs griffes dessus. À part acheter un canapé en plastique, je ne sais pas quelle aurait été ma solution. Donc en attendant, c'est les plaids qui sont mis n'importe comment. Et j'ai acheté deux petits coussins pour que ce soit plus confortable, mais j'ai pas encore reçu les housses. Donc pour le moment, c'est un petit peu n'importe quoi ce canapé. Heureusement que j'ai un beau petit chat blanc pour le décorer. Elle a l'air tellement heureuse. Hé, t'es contente? Tu t'endors? Je file à la douche parce que là, le masque est bien sec et encore une fois, je ne voulais pas le laisser sécher si longtemps. Et je vous retrouve juste après pour vous montrer si j'ai des rougeurs ou pas. Bon ben voilà, ça n'a pas manqué. En même temps, j'en profite pour vous montrer ma tête sans make-up, sans fond de teint, pour que vous voyez ces rougeurs. Donc, vous voyez où j'avais mis le masque. Hein. Là, là, là. Et là, je ne sais pas si c'est normal, je ne sais pas si c'est moi qui réagis. Au niveau des résultats, oui, la peau est douce, oui, j'ai l'impression que ça purifie un peu cette zone-là qui est problématique chez moi, vous savez. Mais si c'est pour avoir des rougeurs à chaque fois, qui s'estompent au bout de quelques minutes, enfin quelques minutes, genre un quart d'heure, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est pas trop agressif? Je ne sais pas. Mon interrogation reste la même. Et je me dis, mais ici j'ai laissé le masque genre 10 minutes, alors que Glam Glow dit qu'on peut aller jusque 20 minutes. Encore une fois, je reviens avec... mon analyse de la première vidéo, que l'argile c'est pas bon de la laisser sécher, mais ça va très vite à sécher, donc là j'ai juste pris la caméra, je vous ai parlé, c'est devenu tout sec. Donc est-ce que je dois le mettre, laisser poser 2 minutes et rincer? C'est un test à faire, je pense. Je ne sais pas, du coup je suis encore en plein questionnement. J'ai l'impression qu'à chaque vlog j'ai une question. Et ici c'est pas que je vous pose la question en particulier, c'est juste que moi je me demande est-ce que ça vaut la peine de continuer ce masque. D'un côté j'ai ouvert le pot, c'est un petit pot, je pense que je vais quand même le terminer, mais est-ce que j'ouvrirai le deuxième? Pas sûr du tout. Sur ces bonnes paroles, je vais aller me faire une tête et m'habiller parce que je dois filmer une vidéo qui devait être faite hier. Mais étant donné que le montage de mon dernier vlog m'a pris toute la journée, je n'ai rien su faire de ce que je devais faire. Aujourd'hui, ça va être une journée super full du coup, et évidemment, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de luminosité. Je vous ai mis sur ma coiffeuse parce que je vais me faire une petite tête, enfin on va essayer. J'essaye le Sheer Glow de Nars dont je vous ai parlé dans mon dernier vlog. En fait, il avait complètement coulé en dehors du petit pot. J'étais un petit peu dégoûtant. Et je suppose que vous aurez compris pourquoi j'ai ce petit bonnet de Père Noël, étant donné que vous allez voir le vlog après la vidéo tag. Vous le savez peut-être déjà, je n'aime pas vraiment ma tête avec les cheveux attachés, mais j'en ai vraiment marre de laver mes cheveux tous les 2 jours. Et je me dis que tant pis, je vais laisser un petit peu mon cuir chevelu tranquille. Et avec le petit bonnet, c'était pas plus mal que je m'attache les cheveux. Bon, j'essaye avec le Beauty Blender. J'ai déjà appliqué le fond de teint hier, étant donné que je voulais filmer ce fameux tag hier. Mais il faisait déjà à moitié noir, donc j'ai pas vraiment vu l'effet. J'ai l'impression qu'il est un chouïa trop clair. Par contre, il a l'air pas mal au niveau couvrance, ça, je dois bien le dire. Et c'est vrai que, après tout, si je pouvais avoir un fond de teint qui amène un peu de lumière à mon visage... Ouais, c'est vraiment trop clair. Mais enfin, on va réchauffer tout ça après. Mais je disais, si je peux avoir un fond de teint qui amène un peu de lumière à mon visage, ce serait pas plus mal, parce que j'ai tendance à avoir la peau un peu terne. J'ai pas la peau très lumineuse, très glowy, healthy. Vous l'aurez vu juste avant quand je n'avais aucun maquillage sur le visage. Je n'ai pas une acné sévère, parce que je sais que je dis plusieurs fois dans mes vidéos que je n'ai pas une belle peau, tout ça. Je sais que
Je n'ai pas une acné sévère, je pense même pas avoir une acné modérée. J'ai peu d'acné par rapport à ce que j'ai eu à l'arrêt de la pilule. Hein. Tout de suite après avoir arrêté la pilule, j'ai quand même vachement bourgeonné. Mais j'ai quasiment tout le temps des boutons à ce niveau-là. Et apparemment, c'est hormonal quand ça se situe sur la mâchoire. Donc, est-ce que c'est parce que c'est pas encore tout à fait régulé? Je ne sais pas, ça fait quand même 3 ans et demi que j'ai arrêté la pilule déjà. Waouh! 3 ans et demi sans pilule. Mais moi, quand je dis que j'ai pas une belle peau, c'est vraiment l'aspect de ma peau. Donc, teint pas uniforme, point noir, pores dilatés. Vous savez bien, c'est toujours la même rengaine. Mais je me rends compte qu'en fait, j'ai peut-être l'air de me plaindre beaucoup alors qu'il n'y a pas de quoi. Hein. Mais voilà, je voulais vous dire, je ne considère pas que j'ai une peau hyperacnéique comme j'ai pu avoir par le passé. Et quand je vois Hélène, mon bloc de filles, qui sans maquillage a une peau absolument resplendissante, je suis un peu déprimée, quoi, parce que je me dis, cette femme-là n'utilise que des produits conventionnels. Et d'ailleurs, merci pour tous vos retours. Au moment où je filme, là maintenant, le vlog n'est en ligne que depuis quelques heures, mais j'ai déjà beaucoup de commentaires. Alors ça, franchement, je m'attendais pas à autant de réactions. D'ailleurs, petite dédicace à ma copine Estelle, parce que quand j'ai dit « si, il y a des petites biches pharmaciennes qui passent par ici », je pensais à toi, Estelle, bien évidemment. Et bien merci pour toutes vos réponses. Je sais que effectivement les compositions, c'est pas juste « tiens, on va foutre de l'alcool pour faire chier les gens ». Mais c'est vrai que, comme disait Estelle dans son commentaire, c'est nécessaire, bien souvent, hein, ou à moins que ce soit des produits qui ne se conservent pas très longtemps. Elle disait même que les produits bio étaient susceptibles d'en contenir plus. Et que donc elle s'était éloignée de ces produits-là. Bon, tout ça pour dire qu'au final, on a envie de bien faire pour tout, de tous les côtés on va dire. On a envie de bien faire au niveau de l'environnement, on n'a pas envie de polluer, tout ça. Mais on a envie aussi de se sentir bien. Donc je ne sais toujours pas que faire. Vous avez aussi été quelques-unes à me répondre par rapport au contour des yeux, aux crèmes et tout ça dont je parlais. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que la dernière case, la case du 25 dans le calendrier de l'Avent The Body Shop, c'est un contour des yeux. J'ai une petite boîte, on va croiser les doigts parce que si c'est le cas ce serait super, ça me ferait un premier essai. Je ne poudre pas ma peau en général. Pour tout vous dire, il faudrait que je refasse ma poudre homemade. Ça c'est de la poudre d'Arrowroot avec laquelle je fais ma poudre matifiante maison. Mais j'ai pas encore eu le temps de chipoter à ça. Du coup pour le moment je n'ai pas de poudre mais je n'ai pas l'air brillantissime. Donc du coup ça me fait encore plus apprécier ce fond de teint parce que glowy mais sans être... greasy. Donc je n'ai pas l'air d'avoir la peau toute grassou. On va laisser comme ça et on va essayer un petit peu de contourer. J'en profite tant que je suis encore occupée à me maquiller pour vous faire un petit update sur le déménagement. Je ne sais plus si on l'a dit, si, on l'a dit dans la FAQ qu'on s'était fait envoyer quelques-unes de nos affaires par bateau. Donc ça partait dans des containers, c'est parti début novembre. Quelques jours après qu'on est arrivé à New York, il me semble. Et ici, ils viennent d'arriver. Enfin, ils viennent d'arriver, non. Ils sont déjà arrivés depuis plus d'une semaine à New York. Parce qu'il faut savoir que la traversée prend 3 semaines et qu'ensuite, il faut en principe que ça passe à la douane. Ça, c'est toujours le problème de savoir si ça va passer tout de suite la douane ou si ça va être retenu pour contrôle. Et ensuite, il faut 5 à 10 jours apparemment, une fois que le conteneur est libéré de la douane, pour pouvoir l'acheminer jusqu'à la maison. Ici, on a reçu un mail disant qu'ils avaient reçu le conteneur en leur bureau, si je peux dire, et qu'ils allaient l'amener chez nous. Donc ça, c'est chouette. Le seul truc, c'est que comme nous sommes dans un bâtiment à appartement et pas dans une maison à part, ils doivent s'arranger avec la communauté pour voir s'ils doivent avoir un permis, une licence, je sais pas quoi, pour pouvoir un peu bloquer le passage, tout le tralala. Donc ici, on est le 22 décembre. J'espère vraiment qu'on va avoir nos affaires demain. Ce serait vraiment chouette parce qu'on a déjà communiqué toutes les infos hier. J'espère qu'il ne faut pas encore une semaine pour que tout se mette en place. Parce que franchement, pour Noël, ce serait quand même sympa qu'on ait nos assiettes, nos verres, nos couverts. Pour le moment, on a toujours les affaires prêtées par les collègues de Mathieu. Mais je vous avoue que, par exemple, ils ne nous ont pas prêté de verre. Et c'est pas du tout une critique, c'est juste que... voilà, on ne leur a pas demandé. Ils nous ont mis 2 assiettes, 2 fourchettes, 2 couteaux... 2 cuillères, vous voyez, et 2 bols. Donc on s'était acheté des tasses, ça je vous les ai déjà montré plusieurs fois quand je prends mon café. Mais ils nous ont pas passé de verre, on n'avait pas envie d'abuser non plus, et donc on a acheté des gobelets en plastique. Sauf que j'en ai ras la nouille de boire dans des gobelets en plastique depuis 1 mois. Déjà à la base j'aime pas ça, je sais pas vous, mais moi
j'aime pas ça. Et d'ailleurs, ça me fait trop penser à Patricia B, la youtubeuse que vous connaissez certainement, qui, elle, boit son eau dans des tasses, et j'en suis à un point où je pense à faire ça. Parce que, honnêtement, ça me saoule de boire dans des gobelets en plastique, en plus, c'est hyper pas écologique. Je peux comprendre, pour une soirée, boire sa bière ou son coca dans un gobelet, ça ne me dérange pas du tout. Mais pendant un mois, il y en aura la nuit, et je blinde d'highlighter. J'ai l'impression qu'à la caméra, j'ai l'air hyper maquillée, hyper flash, alors que en fait, j'essaye juste de rehausser mon teint, étant donné qu'il est un petit peu pâle. C'est dommage parce que il a vraiment l'air bien ce fond de teint, mais je dirais qu'il me faudrait la teinte juste au-dessus. Je vous expliquais toute l'histoire avec la conseillère, Sephora, bien gentil, tout ça. J'ai quand même du mal à comprendre comment dans un endroit si mal éclairé, avec des lumières artificielles jaunes, une fois blanche, une fois jaune, ils savent dire quelle est la couleur du fond de teint qui te va, et surtout comment ils savent dire ça en swatchant sur ta peau déjà maquillée. Je sais pas, mais pour moi faudrait, enfin moi, elle pourrait dire je vais vous démaquiller juste là et on va remettre pour voir la vraie couleur de votre peau. Évidemment, comme toujours, tous vos avis, toutes vos expériences à ce sujet sont les bienvenus. Si je me mets comme ça, je pense que vous voyez un petit peu plus de face par rapport à la lumière. J'espère que vous ne voyez pas trop le bazar derrière. J'ai tout mon linge à repasser. Super activité de l'après-midi, je pense. J'ai aussi dit que j'allais aller acheter le pull de Noël au Crolet. Mais ça, je ne sais pas si je vais aller aujourd'hui ou demain. Parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire à la maison. Ici, je filme ce vlog, mais ça va être plutôt un Get Ready With Me vlog. C'est juste pour papoter un petit peu avec vous. J'espère que ça vous plaira quand même. Hein. On change un petit peu, on essaie de faire chaque jour quelque chose d'un petit peu différent. C'est vraiment pour vous montrer une journée pépouze à la maison. Et du coup, je sais pas si je vais sortir. À côté, il faudrait peut-être aller faire quelques courses pour juste le ravitaillement. Vous voyez, quand vous faites des courses, on va dire surtout quand on fait des courses à pied, il y a des produits qu'on achète mais qui partent très vite. Je pense notamment au jus d'orange ou au lait ou au pain. Le pain chez moi, ça fait pas une semaine. Et du coup, milieu de semaine, il y a besoin de faire des courses. C'est un petit peu chiant, mais avec juste mon petit panier là que je vous ai montré, mon petit caddie, je n'aurais pas su prendre 4 briques de jus et 4 briques de lait. Maintenant, on a un site, on a plusieurs sites d'ailleurs, on a plusieurs applications qui proposent des livraisons. Notamment Delivery.com qui, à la base, je pense, est un site pour se faire livrer des repas et qui s'est un peu agrandi et maintenant on peut même se faire livrer toutes sortes de choses. Dimanche soir, on était en rade de papier toilette. Et d'essuie-tout, de quoi, mais Mathieu a commandé du lait, de la crème, je sais plus quoi d'autre, je pense que c'est tout. Et on commande sur le site et ils viennent livrer à notre porte et ça, je dois bien vous dire que c'est plutôt pratique, c'est quand même sympa. Quand il nous manque vraiment un produit et que c'est un petit peu le rush ou qu'on ne sait pas sortir, ou je sais pas moi par exemple pour les personnes âgées ou qui ont du mal à se déplacer, c'est vraiment une chouette idée. Bon, maintenant à chaque fois il faut mettre un pourboire évidemment, vu qu'il y a quelqu'un qui va faire les courses pour nous, c'est logique. Est-ce que je vais mettre, je crois que je vais mettre juste sur mes yeux la base de NYX, c'est la peau, voilà, la base Blue Fit. Je commence à vous expliquer ce que je mets sur moi alors que je ne l'ai pas fait jusqu'ici. Si vous voulez que je vous dise quel produit j'ai utilisé à quel moment, surtout laissez-moi un commentaire, bien sûr je vous le dirai. Et donc je disais, je vais mettre juste la base de NYX parce que comme j'ai appliqué du fond de teint partout sur mon visage et donc sur mes yeux, le fait de mettre la base qui est transparente blanche, ça donne un petit effet beige que j'aime plutôt bien. Ça fait paupières unifiées, ça fait assez frais. Parce qu'en fait, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de tester mon Lime Crime noir. On va voir ce que ça donne. Ça, c'est le recourbe-cils que j'ai eu dans la case du calendrier de l'Avent d'aujourd'hui. Pour celles qui n'aiment pas ça, fermer les yeux quelques secondes. Ouais, c'est bien ce que je craignais. Ça, c'est mon recourbe-cils de d'habitude. C'est un recourbe-cils de chez Primark qui coûte, à mon avis, 4€. Je sais même pas s'il coûte 4€, mais il est plutôt arrondi. Je sais pas si je peux... Est-ce que vous voyez? Il est plutôt arrondi. Plus arrondi que le Body Shop que je viens de recevoir. Avant, j'avais beaucoup de mal avec les recourbe-cils parce que je trouvais que ça faisait tchac tchac. Ça faisait vraiment un angle droit. J'ai toujours pensé que c'était moi qui m'en servais mal, mais avec le Primark, j'ai jamais eu ce problème. Donc, je ne sais pas. Maintenant, je n'ai pas de Primark tout près de chez moi. C'est un petit peu dommage, étant donné que j'aimais beaucoup ce magasin. Et vous allez me dire, oui, mais t'as plein d'autres magasins. Oui, mais Primark, c'était vraiment pas cher. Et c'était bien pour s'acheter plein de petites choses, du style pyjama, chaussettes, top, t-shirt. Ça recouvre un petit peu, mais il va me falloir un petit peu de temps pour m'habituer, je pense. Le truc, c'est que les Primark, c'est déjà mon deuxième. Malheureusement, ça ne dure pas toute la vie. Pour le mascara, je mets mon éternel Lash Sensational
que j'ai rouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Le mascara que j'utilisais avant, j'en étais pas vraiment satisfaite. Je me demande si je vais pas faire une petite revue dessus. C'est un mascara de la marque CoverGirl. Je sais que c'est une marque qui a quand même pas mal de succès. Et en plus, qui n'est pas cher. J'avais utilisé le orange, qui était bien. Mais ici, celui que j'ai utilisé, bof. Alors la brosse, c'est une grosse brosse, mais toute droite. Il n'y a pas de forme. Ici, c'est un petit peu incurvé. Enfin, je sais pas, je me suis habituée à celui-là. Et puis, il est tellement efficace. Enfin, je passe une fois et j'ai déjà des cils super allongés. Donc, c'est un peu difficile quand on est habitué à un mascara de se défaire. Et d'ailleurs, j'ai vu que Maybelline en avait sorti un nouveau. Je sais pas s'il est déjà sorti en Europe. Mais je pense que je vais aller le chercher et le tester. Et comme ça, s'il n'est pas sorti par chez vous, vous aurez peut-être une revue en avant-première. Je ne sais pas du tout comment est la brosse, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, évidemment. Mais j'aime bien tester les nouveaux mascaras de chez Maybelline. Parce que il y a quelques années, j'avais testé le Roquette, que j'avais détesté. Mais vraiment, je ne comprenais pas pourquoi tout le monde adorait ce mascara. Et en fait, je l'ai laissé dans le fond de ma trousse et puis je l'ai réutilisé, je ne sais plus pourquoi, et... J'ai appris que le Roquette, il fallait le laisser sécher. Il fallait l'ouvrir et puis l'abandonner genre une semaine ou deux. Et quand... l'abandonner, c'est un petit peu difficile. En fait, il est trop mouillé au début. Je suis sûre quasiment que vous le savez déjà. Étant donné que tout le monde en a parlé. Mais quand il est un peu plus sec, le Roquette, il est génial. Tandis que celui-ci, le Lash Sensational, dès le début, il a une texture qui est travaillable et qui n'est pas trop mouillée. Il ne fait pas des paquets. Donc il est vraiment super ce mascara, je l'adore. Par contre la version Lash Sensational somptueux effet ultra déployé, je le déteste. Le même produit mais en deux versions différentes, ça peut être l'amour et la haine. Je l'utilise uniquement quand je fais des maquillages où il faut avoir un effet un peu grossil, on va dire. Où je veux faire par exemple un maquillage années 60, je vais l'utiliser parce que ça me clumpe les cils, quelque chose de pas possible. Mais pour un usage quotidien je saurais pas du tout quand on voit déjà l'effet. De celui-là en un passage, ça c'est trop. Franchement, je sais que beaucoup de gens l'aiment bien pourtant, donc comme quoi chacun a son propre avis sur la chose. Et je tenais aussi à dire quelque chose qui m'a marqué quand j'étais jeune, que c'est pas parce qu'on se met du mascara sur la paupière qu'on est nul à l'application du mascara. Je ne dirai pas qui a dit ça parce que c'est pas une personne que j'apprécie, mais quand j'étais jeune, je me mettais vraiment beaucoup de mascara sur les paupières. C'est vrai que j'étais moins douée, on va dire, peut-être, que maintenant. Et la personne m'avait regardée, m'avait dit « Non mais, faut vraiment que t'apprennes à mettre du mascara, ma fille, hein ?» Là, j'étais là « Ok, qu'est-ce qu'on s'en fiche, franchement, de s'en foutre sur la paupière ?» Après, coton, et hop, on n'en parle plus. On va passer à la meilleure partie de ce maquillage. J'ai cassé mon highlighter, en plus. Juste le couvercle, mais bon. Black Velvet, de Lime Crime. J'aurais vraiment dû me déguiser en Grinch pour ce tag. J'ai toujours l'impression d'avoir fait de la peinture quand je mets du rouge à lèvres, étant donné que je mets mon doigt dans ma bouche pour enlever l'excédent, pour être bien sûr qu'on n'est pas sur les dents. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Écoutez, je vais aller filmer la vidéo et je vais voir si je vous retrouve après pour vous montrer le reste de ma journée. Et voilà, j'ai fini de filmer mon tag de Noël. Gina est en mode mangouste parce qu'il y a quelqu'un qui nettoie dans le couloir, je pense. Et je voulais vous montrer mon petit pointu qui est dans une position encore... Comment ne pas craquer devant ce petit ours polaire? Voilà, la mangouste a fini de faire le guet. Vous voyez mon magnifique steamer que je vais utiliser juste après. Enfin, quand je dis juste après, c'est pas tout de suite, étant donné que là, je vais mettre les fichiers sur l'ordinateur et que je vais essayer de monter vite fait bien fait cette vidéo pour que vous l'ayez quand même à une heure raisonnable. J'en oublie que j'ai ce petit truc sur la tête. Va falloir que je l'enlève parce que s'il y a quelqu'un qui sonne à la porte, ça va faire « oui, bonjour ». Quoique je ne suis même pas sûre que ça choquerait les gens ici. Allez, sur ce, je vous laisse pour le moment, je vais faire mon montage et je reviens après. Bon vous savez quoi les biches? C'est bien la première fois depuis moult temps que Movie Maker ne m'a pas planté entre les doigts. Donc, je suis faire ma vidéo d'un coup. Donc, chez vous, là, il est 19h25. Si le programme se montre coopératif, il y a moyen de moyenner pour que vous ayez eu la vidéo à 20h. On va croiser les doigts, comme à chaque fois. Oh, ma voisine du dessus me saoule. Tous les jours, elle bouge ses meubles, quoi. Donc non seulement elle marche comme un éléphant, mais en plus elle bouge ses meubles. Je vais devoir retourner chez Trader Joe's parce que le petit Crowley m'a envoyé un message en me disant qu'il voulait faire de la dinde samedi. Moi, je ne sais toujours pas ce que je vais manger, du coup. Il faut donc que je parte en mission dinde.
Et joie suprême, avant de vous laisser pour déguster ma semoule, on a notre container qui arrive demain, oui! Donc vendredi 23 décembre, on aura nos affaires. Et c'est très 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 bien. Sinon, je ne sais pas comment on aurait fait pour recevoir nos amis pour Noël, étant donné que il y a 15 jours, quand on a fait Friendsgiving, avec aussi Joe, Mac, Johnny, sa copine, qui sont donc nos amis américains, plus une des mademoiselles d'honneur, Emily, et son petit ami, on était 8 personnes, et bien nos amis belges ont dû amener leurs assiettes, couverts, verres. Ils habitent à Philadelphie pour le moment. C'est pas qu'ils sont venus de Belgique avec leurs assiettes. Hein. Et donc du coup, on a dû emprunter leurs affaires. Mais ici, j'avais vraiment envie d'avoir mes affaires. Comme je vous ai dit, j'en ai marre de boire dans des gobelets. Youpi, vivement demain. Je serais bien contente de pouvoir déballer mes caisses, toutes mes petites affaires. Même les essuies, les linges, tout ça. On va tout récupérer, donc chouette. Je vous filmerai peut-être ça, tiens. Je sais pas si c'est très très intéressant, mais comme ça je vais pouvoir enfin terminer l'installation de l'appartement. On va ensuite après racheter quelques meubles, je dis quelques meubles, peut-être une armoire ou l'autre, pour dire d'avoir des rangements, parce que même si on a des placards, c'est pas la même chose, enfin je veux dire des affaires de bureau et tout ça, on aime bien que ce soit dans un bureau. Donc on va pouvoir terminer l'ameublement de l'appartement, c'est super chouette. Et du coup j'espère que début janvier je pourrai vous faire un appartement tour. Je pense que je vais laisser passer les fêtes pour dire de bien être installé. Je préférerais vous faire un appartement tour quand tout sera tout beau, que le faire à moitié, surtout que dans les vlogs après tout vous voyez déjà pas mal de l'appart. Quand ce sera bien meublé, bien décoré, je vous montrerai ça, promis. Bon allez, je vais manger, je vous laisse, à tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous foutez dans mon armoire? Moi j'avoue, j'adore les effets comme ça, où on a genre l'impression qu'on ouvre une porte et que vous étiez dedans. Comme les gens qui mettent leur appareil dans le frigo, j'adore ça. Je trouve ça un peu dangereux, mais j'adore ça. Cette petite boutade pour vous dire que je suis rentrée des courses et il n'y avait pas de dinde, comme je le pensais bien. Parce que en gros, ils n'ont des dindes entières que à la période de Thanksgiving et on est légèrement un mois plus tard. Donc pas de dinde pour Noël, enfin pas de dinde chez Trader Joe's en tout cas. Mais vu que j'ai acheté 2-3 autres petites affaires, je me suis dit que j'allais vous montrer et vous dire le prix que j'ai payé. Parce que j'ai noté que ma copine Marie m'a dit en commentaire sous l'un des vlogs que ça l'intéressait de voir par exemple les courses et ce que j'achetais et ce qu'on payait, hein, pour voir un petit peu les prix. Donc bah, je vais vous montrer, il n'y a que quelques affaires, mais je vais vous montrer ça. D'abord je vais me faire un petit peu d'eau, parce que je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que quand je bois autre chose que de l'eau, j'oublie de boire de l'eau. C'est quand même bête, non? Vous m'excuserez, je vous ai remis dans l'armoire, mais dans la cuisine c'est le seul endroit que j'ai où je peux poser quelque chose. Vous faites pas attention au bazar, hein. On a tous nos cartons qui sont là. Je pense que pour ce que j'ai acheté, j'ai pas encore payé trop cher, mais encore une fois, chez Trader Joe's, ce sont les meilleurs prix qu'on puisse avoir, à ma connaissance. J'ai pris par exemple ce demi-gallon de jus d'orange, qui fait donc 1,89 litre. Complètement bizarre comme conversion, mais vu que pour eux c'est 1, 2, 3 ou les demi, évidemment, en conversion pour nous, ça fait toujours bizarre. Tout est de la marque Trader Joe's. Là-bas, il n'y a pas de vraie marque, on va dire. Il n'y a pas de marque genre Coca-Cola, Nutella et compagnie. Et le jus d'orange, je l'ai payé 3,29. Ensuite, je me suis pris un gros pot de houmous de 454 grammes. Et je l'ai payé 3,49. J'achetais jamais de houmous en fait en Belgique, mais ici, comme on va faire l'apéro, je suppose, samedi, avec des petits trucs à grignoter, et que j'ai vu qu'on pouvait aussi en mettre sur le pain et manger ça comme une tartine, je me suis dit que j'allais déjà l'acheter. On est jeudi, hein, donc c'est pas que j'achète ça une semaine à l'avance. Et 3,49€, ma foi, est-ce que c'est cher? Dites-moi, parce que je ne connais pas du tout le prix du houmous. Ça, c'était l'achat que je ne ferai pas tout le temps, à mon avis, c'était juste pour tester. C'est un jus kombucha. Je ne connaissais pas du tout avant d'en entendre parler sur plusieurs chaînes américaines. Apparemment, c'est un jus qui a plein de propriétés bénéfiques. Mon regard a été attiré dans le rayon parce que c'est une belle bouteille. Et puis, ce qui m'a poussé à le prendre, c'est que j'ai vu qu'il y avait des probiotiques dedans. Et il y a donc du kombucha. Faut absolument que je regarde ce que c'est. Je vous mettrai sur l'écran ce que c'est parce que je me sens un peu bête. Du jus de framboise, du jus de citron, du jus de gingembre et 100% d'amour pur. J'ai un petit peu peur avec le gingembre, mais c'est ça aussi qui doit booster le truc. C'est une grande bouteille, c'est quand même 480 ml. Et j'ai payé ça 2,99€. Bon, 3€ les 400 ml. Bon, 500 ml. Je sais pas, honnêtement, je trouve que ça va encore. Le produit qui fait du bruit, une baguette italienne, qui s'appelle ça comment? Ouais, une baguette multigrain, qui m'a coûté 3,49€. Ça par contre, je trouve cher, étant donné que chez nous, une baguette, c'est quoi?
maximum 2 euros, enfin je sais pas. Moi je les prenais toujours au Carrefour et j'avais l'impression que ça coûtait vraiment pas cher. Ici c'est un peu comme, c'est pas une ciabatta, c'est vraiment comme une grosse baguette. Et j'ai également pris des petits pains brioche, ils appellent ça des rolls. Et en fait j'ai pris ça en espérant que ça ait le même goût que les challah rolls. Je sais pas du tout pourquoi ça s'appelle comme ça. Qui goûtent comme la cougnole ou le cougnou, ça dépend. Ça dépend d'où vous venez en Belgique, que j'avais trouvé précédemment dans ce magasin, mais apparemment ça a beaucoup de succès parce que c'est toujours vide, le rayon est toujours vide, ce truc là, juste les challahs, c'est toujours vide quand je vais faire mes courses, donc je me suis rabattue sur les brioches. Ça peut pas être mauvais, on croise les doigts. Il y a une petite bataille de chats en arrière-plan, c'est bien, ça fait une animation pour meubler un petit peu. Je vais ranger mes courses, je ne pense pas que je vais boire le jus maintenant, j'ai hésité sur le trajet, je me disais qu'est-ce que je fais, je bois mon jus maintenant ou pas? Je vais le garder pour demain, enzymes et probiotiques. Oh, ça peut pas être mauvais, hein. Je vous dirai bien sûr ce que j'en ai pensé. Je vais ranger mes courses et on se retrouve plus tard. Est-ce que je vous ai dit combien j'ai payé pour les brioches? Je suis pas sûre, c'était 3,99, 3,99. Je trouve ça aussi un tout petit peu cher, mais c'est bien possible que je ne me souvienne pas exactement des prix pratiqués en Belgique. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire pour un sachet de petites brioches comme ça, combien vous payez chez vous.